Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Chalet d'un Monde de Jeux avec deux invités exceptionnels. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour Corentin. Bonjour. Vous n'êtes pas venu seul, vous n'êtes pas venu des mains vides. Je suis content quand les gens viennent au Chalet parce qu'ils ramènent des jeux généralement. Et alors celui-ci, c'est une toute petite boîte. Il y a un nouveau jeu que vous signez à deux, qui est illustré par Gorobei, qui s'appelle Solstice. C'est écrit sur la boîte, c'est très malin. Et c'est publié par Lumberjack, nouvelle gamme de petits jeux à deux. C'est pas votre premier jeu ensemble, vous étiez déjà venu, déjà pour un jeu chez Lumberjack, ouais. Pour Trek 12, ouais. Trek 12 Amazonie, exactement. Et même Lumen, et même Lumen, ouais. Mais qui était un peu dans le même univers, parce qu'il y avait une mécanique centrale qu'on retrouvait. Alors Lumen, c'est un univers très différent, oui. Mais c'était basé sur la même mécanique de départ, mais avec quand même les jeux sont radicalement différents. Et là, rien à voir. Ouais. C'est un jeu complètement différent, même si les auteurs sont identiques. Vous allez avoir une nouvelle mécanique. Alors, une mécanique qui est inspirée, tu m'as dit, de Bruno, de... Du Hanafuda. Hanafuda, exactement. Ouais. Hanafuda, c'est un jeu de cartes traditionnel japonais dans lequel, en fait, c'est une sorte de rami, ouais. D'accord ? Et dans lequel on fait ses combos par capture des tuiles qui sont au centre. C'est en fait, si tu jouais avec un jeu de cartes traditionnel, Valet Dame Roi As, et cœur trèfle carreau pique, tu capturerais les tuiles en posant un valet avec un valet, oui. Et ensuite en essayant de faire des séries de couleurs qui te donneraient des points. Globalement, le Hanafuda, c'est ça. On en a énormément parlé, ouais. Au chalet, ça fait très... Ouais. Déjà toi, déjà. Oui, oui. Chaque fois que tu viens, ouais, tu me reparles de l'Hanafuda en disant « J'adore ce jeu, j'aimerais bien faire quelque chose autour. Ouais. » Je crois que ça y est, on a quelque chose autour de ce jeu. Et dans ce jeu, il y a cette mécanique de capture qui est originale. Et là, l'idée, c'était d'utiliser cette mécanique de capture pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le Hanafuda. L'expérience de jeu est vraiment différente. Oui, parce que là, on repart à la montagne, et ouais, c'est un point commun entre vous deux, parce que vous n'êtes pas loin des régions qui s'élèvent, vous êtes tous les deux de l'Est de la France, et c'était déjà le cas sur Trek 12. Ouais. Ouais. C'est votre truc, la montagne, en fait. Ouais, c'est bah après, c'est un... Bon, bravo. En vrai, pour le coup, c'est un peu aléatoire, parce que c'est aussi l'éditeur qui va décider du thème. Enfin, oui, et puis complémentairement, mais... il s'avère que par rapport à cette mécanique-là, et ce qu'on en fait... Oui, il fallait, entre guillemets, qu'il y ait une justification thématique, enfin que ça fasse du sens. Et il s'avère que quand on reconstitue ce paysage, ben il y a du sens de faire de fin, naturellement tu fais une montagne. Quoi. C'est presque plus logique sur Solstice que sur Trek 12. Exactement. Tu aurais pu avoir une autre thématique. Tout à fait. Bah d'ailleurs l'Amazonie. Exactement. Alors c'est quoi le fleuve de ce jeu Solstice? Pourquoi ça s'appelle Solstice déjà? Ah, ah, c'est dur à dire déjà. Parce que c'est bon, tu vas pas me critiquer. Tu sais que c'est au montage, c'est coupé. Je dis magnifiquement Solstice. D'ailleurs, je vais l'enregistrer là tout de suite. Avec une autre voix. Je vais le recoller à cet endroit-là. Solstice. L'idée, c'est d'expliquer qu'en fait, il y a une tradition dans les montagnes chez nous, que d'ailleurs, ça existe pour de vrai, qui s'appelle les feux de la Saint-Jean. Ah bah oui, solstice. Et effectivement, fin juin, au moment du solstice, les gens montent. Moi, j'habite dans un village qui est au milieu de trois sommets qui sont à 1800 mètres. Et le 21 juin au soir, en fait, enfin, je sais pas si c'est le 21 juin, mais c'est dans ces eaux-là, à la nuit, il y a des feux au sommet des trois montagnes. Ah ouais, c'est joli, enfin voilà, bref. Et en fait, l'idée, c'est d'expliquer que c'est issu de rites initiatiques, etc., etc. Et donc, en fin de compte, on va aller explorer la montagne pour tenter de trouver un chemin qui permet d'atteindre les sommets pour y faire des feux et tout ça. Et donc, du coup, c'est une tradition qui est perpétuée au fur et à mesure des âges, des générations. Et donc, du coup, on propose cette expérience-là au travers de ce petit jeu. D'accord, bah écoute, on va écouter les règles, et juste après, cette explication des règles brillantes, je vais affronter Corentin le bras, il va y avoir un enjeu de dingue, parce que j'ai mis une boîte en jeu, hein. Oh. Là, le vainqueur, après vous la partagerez, tu auras un truc, je te donnerai la boîte, il y a une boîte qui est en jeu, moi je vais essayer de la garder, parce que j'ai l'habitude de battre Bruno, Corentin, dans les vidéos qu'on fait au chalet, donc il y a une tradition à préserver. On écoute les règles, on se lance. Dans Solstice, les joueurs vont arpenter la montagne pour reconstituer un paysage avec une petite règle très simple. Au début de la partie, on a une file de 6 tuiles face visible sur la table et chaque joueur a 3 tuiles en main. À mon tour, je dois sélectionner une de mes tuiles et la poser au centre. Quand je fais ça, je regarde ensuite quelle tuile je peux capturer. Est-ce que je peux capturer une tuile? Pour capturer une tuile, il faut qu'elle soit soit de même couleur, donc là on voit que je pose un 5 bleu,
Donc potentiellement, je pourrais capturer le 4 bleu ou le 3 bleu, ou de même valeur, donc éventuellement, je peux aussi capturer le 5 jaune. Donc là, je vais faire mon choix en capturant par exemple le 4 bleu. Et ces deux tuiles, je les mets devant moi et elles composent déjà un début de paysage. C'est-à-dire que je vais les réorganiser là où elles doivent être dans le paysage, avec la petite tête de jeu qui est ici, on sait facilement où ça va. Il faut retenir que les tuiles de même couleur sont toujours sur une même ligne et les tuiles de même numéro sont toujours sur une même verticale. En faisant ça, ça révèle la tuile qui est ici, ce qui donne un choix supplémentaire pour le joueur suivant, et je vais terminer mon tour en piochant une tuile. Voilà. Et petit à petit, on reconstitue notre paysage comme ça. Maintenant, il y a des cas un peu particuliers. Qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, par exemple, je joue une tuile qui n'a aucune correspondance avec les tuiles qui sont ici au centre. Admettons qu'on soit dans cette situation, je joue un 2 vert, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de 2. J'ai donc droit à une seconde chance. Je vais prendre une tuile, donc cette tuile-là, elle rejoint les tuiles du centre, et je vais prendre une tuile au hasard ici, je la retourne, et à nouveau, je vais regarder si elle match avec quelque chose. Donc ici, par exemple, bah oui, je pourrais prendre le 4 rouge, 4 rouge qui vient ici, et mon 4 violet, pour l'instant, je le pose ici. Petit à petit, on continue à remplir ce paysage. Et puis après, il y a encore une possibilité. Admettons, je vais tricher volontairement pour montrer qu'est-ce que ça donne. Admettons qu'on soit beaucoup plus tard dans la partie et qu'on soit dans cette situation-là. Idéalement, donc, je joue un 6 rose, je triche, et je retourne en seconde chance une tuile qui est un 9 bleu. Donc, elle ne correspond ni en numéro, ni en couleur à aucune des tuiles qui est ici. Du coup, ça me permet de gagner un arc-en-ciel. Arc-en-ciel, qui est une tuile joker, que je peux positionner n'importe où dans mon paysage. Et mon paysage continue, de façon zen, à se composer. Si à un moment donné, je peux capturer une tuile qui permet de faire un carré dans mon paysage, et bien là, ça me permet d'accéder aux esprits de la forêt, qui sont ici, aux esprits de la montagne. Et là, je vais en piocher deux au hasard, les retourner, et choisir lequel je vais positionner sur l'intersection des quatre tuiles. Globalement, je ne vais pas expliquer les effets des personnages, enfin des esprits. Il faut retenir que les esprits sur fond bleu vont nous donner des points de victoire supplémentaires en fin de partie pour différentes configurations qu'on va réussir, alors que tous les esprits sur fond blanc vont donner un effet one-shot qui va être intéressant, etc., etc. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce que, en fin de compte, plus aucun coup ne soit possible. On va marquer nos points de façon très simple. On va regarder notre plus grande surface de paysage. Ça va nous donner un point par tuile qui n'est pas un arc-en-ciel. On va aussi marquer des points bonus pour les feux qu'on aura réussi à aligner au sommet, à allumer au sommet. Mais pour qu'un feu soit allumé, il faut qu'il y ait un chemin qui permette de rejoindre la ligne du bas, c'est-à-dire la ligne rouge, pour aller jusqu'au sommet. Pas besoin que ce chemin soit en ligne droite, comme sur l'image ici, il peut être tortueux, mais du moment qu'il y a un chemin qui mène d'en bas jusqu'au sommet avec les feux, on a des points de bonus. Et enfin, chaque esprit de la forêt va nous donner au minimum un point de bonus, sachant que les esprits bleus vont nous en donner un peu plus. Et c'est tout. C'est des parties d'environ, on va dire, allez, 10 minutes en général, 15 minutes si on prend un peu son temps, pour deux joueurs, dans une ambiance très zen, où en fait, en général, on a juste envie de refaire la revanche derrière. Allez, on se retrouve pour la partie. Qui commence? Comment ça marche? C'est 3, 4, 1. À ma droite, Corentin Lebras va commencer la partie. Tu commences, moi, je commente. Ouais, commentateur. Ah, c'est incroyable d'avoir l'auteur comme commentateur. Ça peut arriver chez vous à tout moment. Si vous le sortez une boîte de saucisses, à l'intérieur de certaines boîtes, il y a Bruno Catala qui est caché. Ouais, faites gaffe, ça fait peur. vous ne les ouvrez pas la nuit. Pas après minuit, en tout cas. Bah, je vais utiliser ce 2 vert pour récupérer ce 2 ici présent. Alors est-ce que ça... Et donc du coup en fait il commence à composer un morceau de paysage. C'est intéressant que cette tuile soit jointive parce que forcément plus on va faire une surface importante connectée, plus on va marquer des points. Potentiellement il a ce feu qui est ici qui pourrait lui donner un point bonus. Oui, mais par contre pour l'instant ça lui donne pas de point de bonus parce qu'il faudrait que ce soit relié à la ligne du bas rouge. Donc il va tenter de faire ça. Et du coup ça a découvert une nouvelle tuile. Maintenant toi tu as 3 tuiles en main avec des numéros et des valeurs, et c'est à toi de voir avec laquelle tu vas tenter de faire matcher. Et puis donc, par exemple si je joue celle-ci, est-ce que c'est malin? Ben pourquoi pas. Ouais, alors je joue 5. Celle-ci. Donc là, tu la mets au centre, ouais. Tu regardes avec quoi elle peut fonctionner. Elle peut fonctionner soit avec le 5 rose, soit avec le 6 violet, même couleur ou même valeur. J'ai envie de tenter le 6 violet, alors c'est peut-être risqué, hein, mais... Voilà, donc du coup, tu prends les deux.
Ah, regarde, j'ai trois feux. Et tu les mets ici. Alors, si on ne sait pas où elles vont, dans son paysage, dans un début de partie, enfin, quand on découvre le jeu, premièrement, on a une aide de jeu qui permet de visualiser l'ensemble du paysage. Et deuxièmement, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en bas à gauche de chaque tuile, il y a un petit symbole qui indique à quel niveau en hauteur, oui, en fait, ça s'est positionné. Et haut, on a les trois feux, et puis c'est des religions un peu païennes, donc c'est des feux occultes. C'est mieux que les coups de pied. Occultes. Et tu pioches une carte pour... Enfin, tu termines toujours ton tour en piochant une tuile au centre. Je vais faire ça. Ah, mince. Avec ce 5, je vais prendre ce 3... Et donc, je tac. Ici. Et donc là, il laisse un trou parce que pour l'instant, il n'a pas le 4. Ah, le nul! Mais il est en train de faire tous les sapins. Si tu me prends tous les sapins, je vais pas être heureux, quoi. Je t'en laisse rien. Mm-hmm. C'est gentil. Mm. Après, tu n'es pas obligé de trouver une tuile qui fonctionne avec les tuiles du centre. Ouais. Si jamais tu poses une tuile au centre qui n'a ni le même numéro ni la même valeur, alors tu auras une seconde chance. Ouais, mais je vais tenter ça avec le 10. Ok. Donc, je sais pas si elle colle, je me suis pas bien rendu compte. Alors déjà, c'est pas trop mal. C'est plutôt. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, du coup, ça va plutôt par là. Ouais, on verra plus tard. Voilà. Et tu n'oublies pas de piocher une tuile. Ah, mince, je suis complètement de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Allez, 10, pas si bien joué que ça, mais bon. Je vais aller chercher ce 3. Ça te permettra d'expliquer une autre partie de la règle. Donc du coup, Corentin, en prenant le 3 bleu, vient de constituer un carré dans son paysage qui va lui permettre d'accéder à un esprit. Pour l'instant, aucun esprit n'est disponible. Donc on va piocher les deux premiers. On va les mettre ici. Et il va en choisir un des deux. Leurs effets sont, de toute façon, chaque esprit fait un point en fin de partie. Donc ça, c'est cool. Le loup va te donner un point de bonus supplémentaire pour chaque bloc de tuiles différentes. Donc plus tu seras dispersé, plus tu feras des points. Waouh. Et le papillon, lui, va te donner un point bonus supplémentaire pour chaque feu allumé en fin de partie. Donc là, connecté jusqu'en bas. Donc là, c'est à toi de voir quel tu fais. Et là, il le pose au centre des quatre tuiles en question. Et je pire, trop je bien joué. Ouais, non, mais il joue bien. Celle-ci, elle va se cacher. Ouais, non, tu l'as rend visible. Ok. Alors moi, j'aimerais bien reconnecter tout ça. C'est mon seul but dans la vie, maintenant. Ah bah ouais, après... Par exemple, ce 5 roses ou 6 roses te permet de commencer à le faire. Oui, parce que les numéros, je viens de comprendre. Hein. Ils sont... Les numéros correspondent à la colonne, les couleurs à l'horizontale. Je vais aller choper ce 6. Vas-y. Parce qu'il m'a l'air pas mal quand même. C'est rose, c'est rose. Ouais. Donc le 6, tu le mets dessous. Hop. Tu laisses un cran parce qu'il y a potentiellement un 7, un 8. Et puis donc du coup, voilà, ça... Eh, c'est magnifique. Hein, ouais, ça va arriver, et tu vois. Tu pioches une tuile. Ah, mais je pars dans tous les sens alors que... Tu verras bien. Ah, pas de chance. Moi je vais illico presto pour voler ce 5. Ah, mais c'est pas, je le savais, j'ai vu sur ton visage. Oui, c'est un jeu dans lequel on peut être fourbe. Mais j'ai Donc ce 5 il va venir là, et celui-ci il va aller plutôt vers là. Ah, j'espère qu'il y a un deuxième 5 rose. Non, chaque tuile est unique. Bah oui, non, mais j'ai bien compris. Hein. Oui, mais je le dis pour nos spectateurs. Ouais. Alors, justement, tu es malheureux comme tout. Hein. Mm. Limite désespoir. Là, alors, tu pourrais choisir justement de jouer. Bah, de toute façon, j'ai pas tellement de choix de numéro là. Bah oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, tu pourrais choisir de jouer celui-ci. Ouais. En espérant, vas-y, ça va être un cas intéressant. Je vais essayer de jouer celui-ci. Donc, celui-ci, on voit que il n'y a ni rose. Oh bah, il n'y a rien qui va. Il n'y a ni rose ni 4. Donc, du coup, tu vas piocher une tuile au centre et pour une seconde chance. Attention. 6 rouge. 6 rouge, bah donc du coup tu vas choisir soit un 6 soit un rouge, donc tu la gagnes forcément, ouais. Et avec une de ces trois là. Eh bien, alors celle-là je la gagne forcément. Et le 6 rouge, il va. Tout en bas. Il va ici. Ah, tout en bas. Oh là là, il est. Oh voilà. C'est très très bas. Ouais. Ah, il te souhaite qu'il le faudra pour. Oui, ouais, c'est bon, ne me dis pas la suite du jeu. Et après, bah, je sais pas trop. Bah peut-être le 9, ouais, parce que le 9 il vient ici, donc t'as plus de facilité à connecter éventuellement. Oui. J'ai l'impression de faire un puzzle nul. Et tu pioches une tuile. Je vais aller chercher ce 5 ici présent pour me connecter là et mettre un 2 ici. Ah, il faudrait pas trop que je connecte quand même parce que le loup me permet de marquer des points s'il y a des choses isolées. Mais... Il n'y en a plus beaucoup au centre. Non. Des couleurs bleues, c'est celle-là. Ouais. Ouais. J'en ai pas besoin.
Oui, mais en fait, l'idée, là, dans ton cas, ça serait de réussir à obtenir un arc-en-ciel. Oui. Pour obtenir un arc-en-ciel, il faut que la tuile que tu poses ne marche avec rien, ni la tuile que tu poses ici. Donc là, maintenant, fais ta seconde chance. Tadam ! Et là, ton 4, bah non, il marche avec le 8. Ouais, avec le 4. Oh, pardon, excuse-moi. Ouais, t'as posé le 4 ici. Il marche avec le 8 ou avec le 4. Donc là, c'est un choix. Le 4, c'est pas si mal, hein, je crois. Le 8, ça va là, c'est... Mm-mm. Il va ici, en fait, le 8 jaune. Ah oui, le 8 jaune. Ah oui, le 8 jaune, ouais, c'est moins bien. Donc je prends le 4, peut-être. Voilà. Hé, hey, c'est pas si mal, hein. Non, non, on commence à avoir... Voilà. Et tu pioches ta tuile de... C'est pas mal, ce que je fais. Tu m'as piqué le 5 rose, t'étais vraiment méchant. Regarde, je vais piquer ça aussi. T'es vraiment méchant. Hop. Et là, il nous fait un second esprit. Donc là, il a le choix. Soit il prend le papillon... Soit il choisit d'en piocher deux autres et il sera obligé de choisir parmi les deux autres. Non. Ah là là, il donc, du tout. Nous avons le cerf et l'aigle. Donc l'aigle, qu'est-ce qu'il a comme effet? L'aigle, en fait, si tu mets ton aigle, c'est un effet one shot immédiat. Il a un point déjà. Et tu vas prendre une tuile ici, au hasard, et tu vas la mettre dans ton paysage. Le cerf, effet one shot aussi, tu choisis une tuile de ta main que tu vas rajouter direct dans ton paysage. Ok. Tac! Oh, bof. Pas signé. C'est pas mal. Important, s'il avait fait un deuxième carré dans le même tour, ouais. Il n'aurait pas pris un autre esprit. C'est un seul esprit par tour. Ok. Ouais, je vais jouer ça quand même. Je vais essayer... Ah, j'ai pas la couleur, j'ai pas le truc. Vas-y. Ta-ta-tam! Là, tu n'as pas la couleur, tu n'as pas le truc. Si, donc, si, ah si, truc, merde, j'avais pas 8. Vu. Zut, pardon. Le truc, c'est le numéro. Hop. Bon, c'est pas si grave. Bon. J'en ai un petit peu de partout. Je vais y arriver un jour. Hein. Puis t'as les petits lapins qui se font un petit bisou. Ah, c'est eux. C'est donc. il est marrant ce petit loup parce qu'il me donne pas envie de connecter les choses alors que c'est ce qu'on aimerait faire en vrai. Je vais. Faire ça. Qui fait que ça ne connecte avec rien. Ah là là, tu vas réussir à nous démontrer que c'est possible. Non, 7 et 7, il le fait. 7 et 7. Hop. Et tu pioches. Ouais. T'as réussi à faire un X. Ce qui est pas mal avec ton loup. Mais ça fait rien du tout. Oui, avec le loup, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien de l'avoir pour que Corentin l'ait pas, mais sinon... ça. Ben ouais, mais... Je vais tenter ça, parce ouais, que je suis content de le poser. Donc tu le mets au centre. Voilà. Et là, tu retournes une tuile, toujours pareil. Pa-pa-pa-pam ! Oh, zut ! Un et deux. Ouais, non, ça, je la gagne, par contre. Hein, non, c'est... non, non. Celle que j'ai jouée, non, non, là, tu fais le match vrai, c'est avec celle-là. La tuile. Eh bien, voilà. Voilà. Toi, c'est le loup, ça aurait été bien pour toi. Oui. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Ouais, tu reprends une... Ah ! Et voilà, un nouvel esprit. Bah ouais, mais il se balade. Tu veux quoi? Il en retourne deux. Ouais. On va les présenter. Nous avons l'écureuil et nous avons la marmotte. La marmotte, un point et tu rejoues. L'écureuil, en fin de partie, quand la partie s'arrête, les tuiles qui te restent en main, tu les rajoutes à ton paysage. Ah. Oh. Je me dis qu'avec le loup, ça peut faire quelque chose. Et tu pioches. C'est à moi. Yes. Bon, je vais tenter ce 1 jaune. Vas-y. Ah, il n'y a pas ce qu'il faut. Vas-y. C'est le moment. Non, regarde, c'est là qu'il va se passer un truc de folie. Non. 7 et 9. Je continue. Ah, ça y est, c'est mon premier bleu. Ouais. Il connecte bien pas avec le reste. Ni le 7. Ni le 7. Hé hey, je suis fort quand même. Ouais. Ça... Toi, si t'avais un loup, vraiment. Je vais te le piquer. Et tu pioches une tuile, toujours pareil. Après, là, je vais pouvoir compléter plein de trucs. Hein. Oui. Tu vas pas être loin, mais... Dommage que ce soit la fin de partie, quoi. Oh, mais quelle suffisance. J'ai tellement battu qu'il essaie de... Mais depuis qu'il est nommé aux As d'Or, c'est plus le même homme, je veux dire, c'est incroyable. Alors, attends. Je vais quand même faire ça. Moi, je ne prélève pas des petits animaux mignons dans la nature. Oh, et donc là, il fait deux carrés dans le même tour, il ne prendra qu'un seul esprit. Ah, le nul. C'est rien. Ouais. Alors, je cherche quelque chose que j'arrive pas à voir. Celui-ci, la grenouille, elle fait
un point plus un point bonus pour chaque arc-en-ciel dans ton paysage, il n'en a aucun. Et la libellule, immédiatement, il pioche une carte dans ta main. Ah non. Qui sera remplacée, mais il l'ajoute à son paysage. Ah mince. Vas-y. Et donc là, tu pioches deux, tu pioches une tuile, pardon. Ouais. Là, tu joues. Il n'y a plus qu'une seule tuile au centre. Ah, je vais peut-être l'avoir, mon arc-en-ciel. Ouais, ou connecter des trucs, quoi. Ou même choper ce 4. Hein. Même choper ce 4, mais bon, là, c'est un peu triste. Bah oui, mais là, j'arrive à connecter des trucs. Il manque quand même pas mal de tuiles pour réussir à connecter au sol. Ça va pas être si simple que ça. Vas-y. Après, ah ouais, mais si je joue un truc dont j'ai pas la couleur, je vais pas le récupérer. Ouais. Ah, bah, sauf si tu pioches quelque chose de cette couleur. Ça, je m'en fiche un peu. En fait, c'est là et tout le dilemme, c'est tu peux placer des trucs intéressants pour moi au milieu et c'est dangereux. Là, donc, tu prends un arc-en-ciel. Et là, c'est là où t'as des vrais choix à faire parce que typiquement. Pas les vrais choix. Non, que Que l'arc-en-ciel. Le mon 3, je le 3, il match avec rien. Donc, en compensation, t'as un arc-en-ciel. C'est une seule carte. Oui, mais c'est là où tu vois que tu peux connecter des choses. Ouais. Ou alors tu peux décider de le mettre ici, ce qui te fait un carré, et ce qui te permet de prendre un des esprits qui sont ici. Et si tu prends par exemple la marmotte, ça te permet de rejouer immédiatement. Et dans ta situation, c'est peut-être intéressant. Tu prends la marmotte. Donc la marmotte, tu la mets ici. Ouais. Et tu pioches une tuile. Tu retiens une tuile. Voilà. Et là, tu as un nouveau tour. Et donc tu auras le droit de reposer refaire un esprit si jamais. Un nouveau tour. Si jamais. Je vais faire ça. Je prends le 3 et le 10. Vas-y. On est pas loin de la connexion. Hein. Il me manque plus que 3 tuiles. Et tu prends une tuile. Il me manque plus que 3 pour faire un chemin. On dirait qu'il est pas loin, mais en fait. J'y crois à fond. On est mort. C'est pas fameux. Non, mais je vais prendre ça quand même pour pas lui laisser. Ah, il me laisse pas les crucs. Voilà, et tu prends une tuile. Yep. Ah, c'est à toi. Bah, moi, celle-là, j'aurais bien voulu la poser. Celle-ci aussi. Bah, non, ceci dit, j'ai aucun... Joue là en espérant la drafter derrière. J'ai aucun feu qui est connecté au sol. Ouais. Bah, lui non plus. Hein. Oui, bah dites pas mes secrets. Ouais. Après, celle-là, tu crois que si je la joue, je peux la récupérer? Bah peut-être, ouais. Ouais. Bah, ouais, mais enfin, je crois que juste ça. Bah... Ça va pas relier le reste non plus, hein. C'est pas glorieux. Mais par contre, ça dépend, moi. T'as moyen de faire un carré. Vas-y, essaye. Je vais tirer le 9 orange. C'est possible. Je tire le 9 orange, regarde. 9 orange ! Non, mais 4. T'en as pas enlevé des fils. Donc, du coup, celui-là, il vient quand même ici. Ouais. Ce qui te fait un point de. Et ça fait ça. Et là, du coup, tu peux pas piocher de tuiles. Ah, donc, tu restes avec le tuile en main. Est-ce que tu peux jouer ? Est-ce qu'il. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, non. Il n'a aucune tuile qui match, donc lui, son tour. Terminé. Est-ce que toi tu peux prendre bien le 5 bleu? Évidemment. Et ben donc, du coup, regarde. Regarde. Putain, je le mets là discrètement. Et donc tu le mets ici. Ah, c'est c'est dommage. C'est attends, pas, c'est... Je suis un peu déçu. C'est pas si dommage parce que. Non, parce que là tu fais un carré. Oui. Et donc là t'as le choix. Wow. Et c'est quoi c'est cette tuile-là? Ah, c'est pas très intéressant. 3 roses. Oh, c'est pas mes choix. Donc là t'as le choix en fin de compte. Soit tu prends celui-ci qui te fait un point par arc-en-ciel. C'est pas top. Soit t'as celui-ci qui permet de mettre ta tuile, mais bon, c'est pas top non plus. Là, celle-ci qui te fait 3 points. Ou alors, tu vas piocher. Deux. Parce que, deux tuiles, et tu choisis une des tuiles. Parce qu'il y en a une, on sait, qui donne un arc-en-ciel. Oh, et si tu pouvais avoir un arc-en-ciel pour le poser ici, ça serait ça formidable. Changerait tout, ouais. Ça changerait tout. Ouais, vas-y. Attention. Allez, celle-ci, c'est celle-là? Non. Non. Elle fait quoi, celle-là? Celle-ci, elle fait un point bonus pour chaque animal sur fond beige. Et si t'as la même qu'il fait sur fond bleu, je ris. Non, bah celle-là. Ouais. Celle-là, elle, tu mets une. On va la voir, c'est pas celle-là, je l'aurais pas tirée. Ouais. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est la dernière. Celle-là. Ouais, c'est celle-là. J'étais vraiment mais pas là, loin. Mais là, voilà, tu aurais dire que tu mets celle-là, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est et du coup, maintenant, on va compter les points. Ah non, moi je vais, dans un premier temps, faire ça. Ah oui. Ah ouais, non, donc, mais là, le pouvoir de mon petit. Donc du coup, on regarde déjà ta meilleure surface, c'est celle-ci. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, les feux allumés, 12, 13. Ouais. Ceux-ci ne sont pas reliés. Mais ils auraient pu être pas loin. Les animaux, 14, 15. Et elle a encore un point de bonus pour celui-là, donc 16. 16 points pour toi.
à toi. Moi, ma plus grande zone, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Mes feux allumés, j'en ai pas. Ouais. 13, 14, 15, 16. Et 17, 18, 19, 20, 21. 21, ça gagne. Et on voit que tu gagnes pas. Non. Bah, en fait, j'ai pas réussi à l'appeler de t'écraser la partie, mais c'est pas le cas. Non, mais regarde, ça, typiquement, imaginons que tu as eu la chance de piocher celui-là. Ouais, ouais. Tu fais ça. D'accord. Ah bah, t'as gagné. Ouais. Là, tu te retrouves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je ne compte pas les arcs-en-ciel. Ouais. 16. Les bonus 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Est-ce qu'on peut jouer la séquence? C'est parce qu'au montage, des fois, je fais des trucs. En fait, c'est que t'as été très dispatché, mais t'as réussi à connecter deux feux qui te font deux points, là où moi, j'ai absolument pas réussi à faire. Que j'ai joué comme n'importe comment? Bah non, non, c'est bien. Je sais bien que tu caches bien ton jeu. Ouais. Alors, je vais rajouter quelque chose maintenant à l'issue de cette partie. C'est qu'en fait, ici, il y a un autre esprit qu'on n'a pas mis en jeu volontairement dans cette partie parce que c'est un choix de jouer avec ou sans. Pour une partie de découverte, on suggère de ne pas le faire, puis après, quand vous connaissez bien le jeu, vous pouvez le faire. C'est l'esprit maléfique. Il est sur fond rouge. Quand c'est à ton tour de faire un carré et puis que tu le révèles, tu es obligé de prendre celui qui vient, tac, tu le mets par exemple ici, et tu prends aussi l'esprit maléfique, mais tu le laisses devant toi. L'esprit de maléfique, si c'est toi qui l'as en fin de partie, ton adversaire, avant le décompte des points, il va choisir quel animal il annule. Typiquement ici le loup parce qu'il t'aurait fait un paquet de points. Mais tu peux t'en débarrasser pendant la partie. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas récupérer un autre esprit, quand tu fais un carré, non seulement tu prends un esprit de façon naturelle, mais en plus tu le passes à ton adversaire, qui lui-même va pouvoir te le repasser, etc. Ouais. Voilà. Donc là, selon le type de joueur que vous êtes, si vous avez envie d'être taquin, jouez avec. Si c'est des choses que vous n'aimez pas, ne jouez pas avec. Voilà. Et ça crée un truc assez cool. Parce que là, par exemple, en fin de partie, tu dévoiles deux animaux pour essayer de trouver celui que tu veux, mais si on sait qu'il y a lui encore dans ce restant, tu vas hésiter. Tu vas plutôt prendre dans la pioche, enfin, tu vois, dans la pioche visible et tout ça. Est-ce que vous jouez avec vous? Moi oui. Mais... Ouais. Toi aussi? Ouais, bah ça dépend avec qui je joue, mais quand je joue avec Bruno, oui. Quand je joue avec mon fils, non. Voilà, vous avez compris les règles de Solstice. C'est malheureusement Corentin Lebras qui l'a emporté. Enfin, t'as le droit d'avoir une boîte? Est-ce que c'est ta première boîte? Oh, on va dire oui. C'est ma première. Je perds la plupart du temps. Ah là 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 là, une boîte fabuleuse, ah, incroyable, merveilleuse. Enfin. Tu peux donner un truc à Bruno Catala si jamais tu trouves qu'il a été un bon collègue, un bon apprenti. Ah, du déodorant. Un verre Eco Cup de Petit Col. Voilà, bravo. Un citron. Oui, tu le remettras à l'entrée parce que j'ai sans passant. Ah si, moi je veux un citron. Moi, tous les matins, je bois une eau chaude citronnée. C'est vrai? Oui. Une eau chaude citronnée. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il paraît que c'est bon le citron. C'est bon pour le foie. Ouais. Ah, je vais faire ça. Mmh. Et si tu rajoutes du gingembre, c'est encore mieux. Oh, coquin. Et je suis content, ouais. Un mix-it. Parce qu'un mix-it. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des jeux qui sont publiés par Captain Games. Qui sont, Captain Games. Tu sais, c'est des chansons qui sont mélangées. D'accord. Et il faut retrouver... Les paroles, en fait. Non, les paroles d'une chanson sont mélangées. C'est très rigolo. C'est un petit jeu d'ambiance. Ouais, ouais. Ça, c'est cool. Tu as la boîte violette. Bah, je garde ça et si tu veux, je te donne le citron. Ou alors, je te donne les petites paillettes. Ah bah, ça... Parce que vous mettez des paillettes dans nos vies. Ah, bah oui, c'est quelle belle période. Je crois que c'est vraiment le moment où on arrive à la fin de cette vidéo. Où on n'a plus d'idées. Exactement. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles parties. Vous connaissez maintenant Solstice, vous savez s'il est fait pour vous. Et puis, merci d'être venu au chat. Vous savez maintenant qu'il est fait pour vous. Voilà, exactement. On sort en avril. Il ne faut pas être trop pressé. Allez. À bientôt.